Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Vous souvenez que la dernière fois, nous avons parlé de l'émergence de ce qu'on appelle les hommes, entre guillemets, modernes en Afrique. Et vous vous souvenez certainement que c'est un processus qui est peut-être plus compliqué que ce que l'on a imaginé parfois. Il concerne probablement différentes régions d'Afrique, différentes populations, même si l'Afrique subsaharienne a pu jouer un rôle peut-être plus important. Et surtout, vous vous souvenez aussi que aussi bien sur le plan anatomique que sur le plan comportemental, dans le fond, on n'a pas une apparition brutale avec une coupure très claire de ce que l'on pourrait appeler des hommes modernes au sein des Homo sapiens qu'on a en Afrique depuis, disons, environ 300 000 ans. Et on a aux alentours de 200 000, de 150 000, des formes comme l'homme de Hertaux, qui présente un grand nombre de caractères anatomiques proches de ceux des hommes actuels, mais en même temps une mosaïque de caractères archaïques. Et dans le fond, la date que vous allez rencontrer très souvent dans la littérature ou si vous allez sur Internet, cette date de 200 000 pour l'apparition de l'homme, entre guillemets, encore une fois, moderne en Afrique, c'est une date qui découle surtout de nos lacunes dans la documentation paléontologique. C'est surtout parce qu'en fait, avant 200 000, on n'a pas énormément de fossiles qu'on place ce point de départ à 200 000. Alors l'histoire, vous la connaissez déjà plus ou moins, parce que ces hommes modernes qui se sont développés en Afrique, alors qu'en Eurasie, on avait des formes qu'on appelle des formes archaïques, néandertaliens en Europe et en Asie centrale, au Proche-Orient, et puis une forme un petit peu, je dirais, mystérieuse pour l'instant, on appelle les Denisoviens, plus à l'est, en Asie. Eh bien, ces hommes modernes vont sortir d'Afrique. La preuve, c'est que nous sommes là. Et donc, on va avoir des changements dans la distribution géographique de ces groupes. On sait que les Néandertaliens se sont un petit peu étendus vers l'Est à un moment de leur histoire, puisqu'on les trouve jusque dans l'Altaï. Probablement, cette expansion a lieu durant l'interglaciaire qui se développe à partir de 130 000 ans avant le présent. Et puis donc, ces hommes modernes, on va les trouver en Eurasie. Ils vont se répandre dans le sud de l'Asie. Ils vont aller jusqu'en Australie et puis ils vont aussi coloniser l'Europe. Et au cours de cette expansion, ils vont parfois interagir avec les populations locales. Ils vont essentiellement les remplacer, mais il y a un certain degré d'assimilation génétique. Puis on le verra un petit peu plus tard dans le cours, probablement aussi d'interaction sur le plan comportemental, sur le plan culturel. Donc ça, c'est l'histoire, j'allais dire, dans les grandes lignes. Et maintenant, nous allons entrer un petit peu plus dans le détail. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler des premières formes modernes en dehors d'Afrique, donc ce que j'ai appelé la sortie d'Afrique, et vous allez voir que plutôt que de parler de la sortie d'Afrique, il vaudrait mieux parler des sorties d'Afrique. Et puis, au cours des semaines qui suivent, on verra plus en détail ce qui se passe dans des régions comme l'Europe ou dans des zones géographiques où, jusqu'à présent, les hommes ne sont jamais allés, comme l'Australie et puis les zones froides, les zones arctiques et plus tard les Amériques. Alors, cette histoire de là ou des sorties d'Afrique, eh bien, en fait, se ramène à des questions assez simples. D'abord, par où les hommes sont sortis d'Afrique, quand, à quelle date précisément, combien de sorties est-ce que l'on a, en fait, puisque c'est peut-être un peu simple, justement, de parler de la sortie d'Afrique. Et puis, ultimement, on pourra aussi se demander pourquoi, dans le fond, ils sont sortis d'Afrique. Ils étaient bien là-bas. Alors, cette question-là, on va la laisser un petit peu en suspens. On va y revenir
quand nous parlerons du remplacement des formes archaïques, mais on l'effleurera un petit peu aujourd'hui aussi. Alors c'est toujours important de garder la géographie en tête quand on parle d'archéologie, quand on parle d'évolution humaine. Les hommes vivent dans un paysage, dans une géographie, dans un environnement avec un climat déterminé. Et donc cette sortie du continent africain vers l'Eurasie, eh bien, il suffit de regarder cette carte pour voir qu'il n'y a pas énormément de possibilités pour sortir d'Afrique, en particulier vers le continent asiatique. Alors on met tout de suite de côté les connexions possibles à travers le détroit de Sicile ou le détroit de Gibraltar, parce que pour la période qui nous intéresse en tout cas, on n'a pas de preuves bien évidentes d'échange de population à travers ces détroits maritimes. Vous vous souvenez quand même qu'on a parlé un petit peu la dernière fois d'un peuplement de l'Afrique du Nord à partir de l'Europe pendant le Paléolithique supérieur, mais donc là, c'est beaucoup plus tard. Alors, la sortie des hommes modernes d'Afrique, eh bien, initialement, on a surtout pensé que ça s'était passé par là, c'est-à-dire à travers l'isthme de Suez. C'est la voie la plus facile, la plus naturelle, enfin celle qui paraît la plus naturelle, pour sortir d'Afrique vers l'Eurasie. En tout cas, on n'a pas d'eau à traverser. Aujourd'hui, il y a un canal, mais à l'époque, évidemment, il n'y en avait pas. Et puis, récemment, enfin disons au cours des 10 dernières années, un petit peu plus, on a commencé aussi à discuter très sérieusement des possibilités de sortie d'Afrique au sud de la mer Rouge. Alors là, il y a effectivement un détroit, mais qui a été assez étroit à certaines périodes du passé. Et donc, pour des tas de raisons, on envisage aussi cette zone-là. Alors juste quelques vues par satellite des zones concernées. Donc voilà l'isthme de Suez, c'est vu depuis le nord. Vous avez l'Égypte ici à droite, avec le delta du Nil, et puis le Sinaï avec des zones désertiques. Et aujourd'hui, donc, ce canal de Suez, mais donc pendant le Pléistocène, des possibilités normalement assez faciles pour passer à travers ces régions. Sauf qu'on va le voir quand même, l'existence de zones arides, voire désertiques, n'ont pas facilité les choses pour les hommes. Alors l'autre région que je viens d'évoquer, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, qui veut dire la porte des lamentations en arabe, ce n'est pas un nom très joyeux. Et ce détroit, c'est un détroit qui est donc entre l'Afrique de l'Est et puis le sud de la péninsule arabique. C'est un détroit assez étroit, ça fait à peu près une trentaine de kilomètres aujourd'hui, avec un petit îlot intermédiaire. On a beaucoup discuté pour savoir s'il y a à un moment donné du passé, il y avait eu une possibilité de passage à pied sec avec une émersion de cette zone-là. Alors, ça existait dans un passé, mais dans un passé très lointain qui ne concerne pas les hommes modernes. En tout cas, pour le Pléistocène, disons la fin du Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur, on n'a pas de preuves bien convaincantes d'une émersion de cette zone-là, pour différentes raisons, hein, géologiques, et puis aussi liées au comportement des hommes en relation avec les changements climatiques. Alors, les arguments géologiques, c'est que s'il y avait vraiment eu une fermeture de la mer Rouge, en fait, il est très probable que la mer Rouge se serait asséchée assez rapidement, et cet assèchement de la mer Rouge devrait laisser des traces sous forme d'évaporites, et bon, les géologues se battent pour savoir s'il y a ou pas des traces de ce style-là, mais apparemment, s'il y en a, elles ne sont pas très spectaculaires. Et puis, l'autre aspect, c'est que ces abaissements des niveaux marins correspondent à des phases arides, des phases
sèches en Afrique, des phases plus froides quand on monte dans les hautes latitudes, c'est justement les périodes où les hommes ne se promènent pas trop dans cette région-là, on va le voir, et c'est plutôt les phases en fait plutôt humides que l'on considère pour comme des fenêtres favorables pour le passage des hommes entre l'Eurasie et l'Europe. De fait, les reconstitutions des niveaux marins dans le sud de la mer Rouge montrent que même pendant les périodes de niveaux marins les plus bas, eh ben, il est resté toujours au moins 15 ou 20 mètres d'eau de mer dans cette région-là. Donc ça veut dire que si des hommes sont passés, ils ont dû passer avec des moyens de navigation. Bon, ils sont allés en Australie hein, il y a 50 000 ans, et donc au moins il y a 50 000 ans, il y avait des moyens de navigation, c'est certain. Alors ensuite, une fois arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, eh bien, quand il s'agit de se répandre en Eurasie, vers l'est ou vers l'ouest, eh bien, là encore, il y a des contraintes géographiques qu'il faut avoir en tête, et en particulier en Asie. Il y a deux voies qui ont été longuement discutées par les paléoanthropologues. Il y a une voie qui est une voie sud, le long des côtes, et cette voie passe au sud d'un énorme obstacle géographique qui est représenté par l'Himalaya et par le plateau tibétain, qui est un plateau, mais qui est quand même un plateau à une altitude assez considérable, avec des zones désertiques qui bordent ce plateau vers le nord-ouest. Manifestement, c'est une région qui n'a pas été facile à pénétrer par les hommes pendant très très longtemps. Donc une voie vers le sud et une voie possible vers le nord, à partir de l'Asie centrale vers l'Altaï, et on a, vous vous souvenez, pas mal de sites paléolithiques dans cette région. Alors plus à l'est, là il y a des possibilités de circulation des populations humaines du nord au sud ou du sud au nord, suivant qu'on privilégie une voie ou l'autre. Pour l'Europe, bon, la pénétration en Europe à partir des zones méditerranéennes, c'est quelque chose qui ne paraît pas très compliqué à imaginer, mais vous le verrez, il y a aussi des scénarios où on envisage plutôt un peuplement moderne de l'Europe, non pas à partir des zones méditerranéennes uniquement, mais aussi en partie de latitudes un peu plus élevées à partir de l'Europe de l'Est, du sud de la Russie. Alors tout ça a donné lieu à une multitude de scénarios. On a imaginé à peu près toutes les combinaisons possibles. Là, je vous en ai mis quelques-unes tirées d'un article récent. Donc, il y a cette fameuse route du Nord qui passe par le Sinaï, le Proche-Orient, ensuite qui va quelque part en Asie centrale avec une descente. Alors, on peut le faire descendre avant l'Himalaya, après l'Himalaya, vers l'Asie du Sud-Est et l'Australie. La route du Sud, la route côtière, alors peut-être à partir du sud de la mer Rouge et puis le long des côtes jusqu'en Australie, et puis les deux à la fois, alors soit à la fois, soit l'une après l'autre, avec différents scénarios, notamment ce qui concerne, disons, l'héritage plus ou moins archaïque, ancien, que l'on trouverait chez des aborigènes australiens récents qui auraient hérité plus ou moins d'une première vague côtière ou pas. Alors en fait, ce qui semble se dégager des travaux les plus récents, c'est que avant ces obstacles qui se présentent à l'homme pour sortir d'Afrique et pour se développer dans différentes régions de l'Eurasie, eh bien avant cela, il y a des obstacles qui se présentent en Afrique. Et on pense de plus en plus qu'en fait, en tout cas du point de vue climatique, ce qui a représenté une difficulté majeure pour avoir une densité de population importante en Afrique du nord-est et puis ensuite dans les zones adjacentes du Proche-Orient,
eh bien, c'est la désertification de ces zones pendant un certain nombre de périodes géologiques, et on en vit une pendant laquelle le Sahara a une très très grande extension. Nous en avons déjà parlé au cours des rencontres précédentes. On sait qu'au cours du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, il y a des périodes pendant lesquelles ces zones désertiques du Sahara et de la péninsule arabique ont disparu et ont été remplacées par des paysages beaucoup plus... Alors, peut-être que le terme de vert est un peu exagéré, mais en tout cas, des paysages avec non seulement une végétation conséquente, mais surtout une faune et une possibilité pour les chasseurs-cueilleurs d'exploiter ces milieux. Et probablement, l'épisode récent le plus spectaculaire qui a parfois été nommé un épisode de Sahara vert, hein, Green Sahara, c'est le début du dernier interglaciaire qui commence il y a environ 130 000 ans. Et donc là, on a une période avec des conditions environnementales qui sont, dans nos régions, qui sont extrêmement tempérées, même un petit peu plus chaudes qu'elles ne sont aujourd'hui. Et puis, en Afrique, donc des conditions de milieu beaucoup plus humides dans ces régions du nord de l'Afrique, avec une mousson d'été qui monte beaucoup plus vers le nord qu'elle ne monte aujourd'hui. Et on a des paysages, vous voyez, cette couleur jaunâtre, représente une savane arborée avec de 10 à 40% de couvert arboré, ce qui est quand même considérable. Tout un réseau de fleuves qui se déverse soit vers la Méditerranée, soit vers le sud, et puis surtout qui se déverse aussi dans des bassins lacustres qui sont extrêmement importants. Probablement le plus spectaculaire de ces lacs, c'est le lac Tchad, le méga-lac Tchad, donc des lacs qui ont la taille de l'Allemagne actuelle. Hein. Donc, ce ne sont pas des petites mares, hein. Ce sont vraiment des étendues d'eau assez importantes. Alors, il se passe à peu près la même chose ici à côté, et mon collègue, le professeur Tony Marx, tout à l'heure, va vous parler un petit peu plus en détail de la péninsule arabique et de ce qui s'y passe, mais on pense que c'est au cours d'épisodes comme ceux-là, pendant lesquels donc, il y a une population de chasseurs-cueilleurs assez importante qui peut vivre dans ces régions de l'Afrique et en particulier dans le coin nord-est, eh bien que le passage vers l'Eurasie, avec des conditions qui sont aussi favorables dans ces régions du Levant, a été favorisé. Alors, en dehors de ce pic humide du début du stade isotopique 5, donc de l'Eémien, eh bien, on a par la suite un certain nombre d'autres épisodes comme celui-là. Pendant la fin du stade isotopique 5, et puis plus tard pendant le stade isotopique 3, et ces épisodes plus humides ont été détectés de différentes façons. Alors, on utilise évidemment différents proxys pour mesurer les variations climatiques, les variations d'humidité, les variations de température. Les spécialistes aiment bien les spéléothèmes, aiment bien les stalagmites, parce que ces stalagmites enregistrent sur de très très longues périodes des variations de température et d'autres indications climatiques. Et donc on aime bien couper dans la longueur des stalagmites pour dater les variations, en particulier des isotopes de l'oxygène le long de ces stalagmites, et on peut faire des reconstructions climatiques sur de très longue durée. Alors, le problème en Afrique du Nord, c'est que des grottes avec des stalagmites, il y en a, mais pas autant qu'on aimerait.
Et surtout, il n'y en a pas au milieu du Sahara. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc, on se rabat sur d'autres proxys. Quelque chose qui est assez spectaculaire, c'est l'existence dans l'est de la Méditerranée de dépôts marins qu'on appelle des sapropels. Et ces sapropels se présentent... Alors ça, c'est une coupe géologique qui ne date pas du tout de la période qui nous intéresse. Elle date du Miocène, en Sicile, mais elle vous montre de quoi il s'agit. On a ici des dépôts qui sont des dépôts carbonatés, et intercalés dans ces dépôts carbonatés, vous voyez des bandes sombres. Et bien, ces bandes sombres, elles correspondent en fait à un afflux dans le bassin de la Méditerranée orientale d'eau qui vient du continent africain, qui est amené par des fleuves, le Nil en particulier, mais d'autres fleuves. Et cette eau, pendant des périodes qui sont des périodes plus humides et plus chaudes, c'est de l'eau qui est moins salée et qui est plus chaude que ce qu'elle est habituellement. Et donc cette eau ne descend pas, elle reste en surface et il se forme au fond du bassin de la Méditerranée orientale des dépôts qui sont riches en matière organique et avec des matières organiques qui ne sont pas dégradées comme elles le sont habituellement par des bactéries aérobies, mais qui sont dégradées par des bactéries anaérobies, et ça donne ces dépôts sombres. Alors ces sapropels, eh bien, on en connaît plusieurs dans la période qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y en a un qui se trouve exactement dans les Hémiens, c'est-à-dire ce début du stade isotopique 5 vers 130 000 ans. Mais vous voyez aussi que dans la suite du stade isotopique 5, on en a identifié au moins deux autres. Et puis on a aussi, alors ça c'est une donnée qui vient plutôt des spéléothèmes, on sait que plus près de nous, vers 60 000, 50 000, on a encore à nouveau une période un peu plus humide qui est marquée ici, vous voyez, sur d'autres proxys. Alors très récemment, il y a juste quelques semaines, il y a eu un article qui est paru dans Nature, signé par ces deux auteurs, Timmerman et Friedrich. Et Timmerman et Friedrich ont fait une compilation de tous les paramètres possibles pour modéliser le climat et pour modéliser la densité de population dans différentes régions d'Afrique et en dehors d'Afrique. Et en faisant cette modélisation, ils ont identifié un certain nombre de fenêtres chronologiques pendant lesquelles on a des conditions, alors qui ne sont pas toujours aussi extrêmes que celles qu'on a pendant les Hémiens, avec ce Sahara vert, mais en tout cas, des conditions qui se rapprochent de ça, avec des paysages qui permettent assez facilement le passage entre l'Afrique du Nord-Est et puis le Proche-Orient, la péninsule arabique et puis le Levant. Alors dans ce travail, évidemment, ils ont à nouveau identifié cette fenêtre de temps qui correspond à la période 120-130 000 donc de l'Hémien, et puis trois autres fenêtres qui se présentent, deux qui se trouvent toujours dans le stade isotopique 5. Ensuite, une interruption assez importante qui correspond à un stade froid, qui est le stade isotopique 4. Et puis, au début du stade isotopique 2, après 60 000 ans, on va avoir à nouveau une fenêtre dans laquelle ce passage est facilité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dans toutes ces fenêtres de temps que des hommes modernes se sont répandus hors d'Afrique, mais cela nous donne quand même l'idée déjà que, en fait, plutôt que d'avoir une fenêtre de temps étroite pour la sortie des hommes d'Afrique, il y a une période assez longue pendant laquelle, de façon périodique, je dirais, la porte est ouverte du point de vue environnemental. Alors, en fait, ces hommes modernes, on va effectivement les trouver en dehors d'Afrique, au rendez-vous, si je peux dire, c'est-à-dire pendant cet interglaciaire
qui est une période favorable. Et du point de vue historique, je ne résiste pas à montrer la photo de Miss Dorothy Garrod, qui a été une véritable pionnière, une femme exceptionnelle à des tas de points de vue, et qui, dans les années 1920-1930, a beaucoup travaillé au Proche-Orient en particulier, et elle a travaillé notamment dans des grottes qui sont près de Haïfa, qui s'appellent les grottes du mont Carmel. Et dans ces grottes, elle a effectué des fouilles absolument colossales, avec une équipe de fouilleuses d'ailleurs assez impressionnante. Et notamment, elle a fouillé une grotte très importante qui s'appelle la grotte de Taboun. Elle a vidé quantité de sédiments de la grotte de Taboun et elle a proposé une succession d'industries avec un Taboun, des industries paléolithiques moyens, moustériennes, de type Taboun B, C, D, etc. Et je dois dire que cette nomenclature est peu ou prou toujours en usage aujourd'hui, même si on discute un petit peu de sa signification et de sa chronologie. Et au cours de ces fouilles, bien Miss Garrod, elle a trouvé des Néandertaliens. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais à Taboun, c'est surtout pour cela que la grotte est connue. On a cet individu qui est une femme, qui est connue sous le nom de Taboun C1. Dénomination est un petit peu malencontreuse parce que beaucoup pensent qu'en fait ce squelette de Néandertal de Taboun 1 ne vient pas de la couche C, mais en fait a été enterré dans le sommet de la couche C à partir, si je peux dire, de la couche B, c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait postérieur à la couche C. Alors, à côté de ces restes de Néandertaliens du Proche-Orient. Alors, ces Néandertaliens du Proche-Orient, on les connaît surtout dans la période, disons, 80 000, 60 000. C'est-à-dire, souvenez, c'est cette fenêtre de temps dans laquelle la porte est fermée. Hein, c'est-à-dire, c'est le moment où il y a moins de possibilités d'échange. Et on a, à côté de ces Néandertaliens qui ont été découverts dans tous ces gisements où on a des points rouges, on a deux sites où on a trouvé autre chose, donc des hommes que l'on qualifie de modernes. Et donc, c'est toujours Miss Garrod qui, lors de ses fouilles dans les grottes du Mont Carmel, a, pour la première fois, découvert ces restes d'hommes modernes. Alors, vous voyez que ils sont modernes, mais quand même, ils ont gardé beaucoup de caractères primitifs. On retrouve toujours cette mosaïque de caractères, entre guillemets, modernes et de caractères primitifs. Et elle a fouillé une petite grotte qui est à côté de la grotte de Taboun, alors qui se, au point de vue âge, il y a des tas de datations qui ont été proposées pour ces restes de skoul, mais ils semblent se placer essentiellement pendant cet interglaciaire, donc ce début du stade isotopique 5, et toute une série de spécimens comme celui-là ont été trouvés. Donc là, je vous ai mis une photo du crâne qui est le plus spectaculaire, le mieux conservé, mais il n'y a pas que des crânes, il y a des squelettes. Ces squelettes, ils sont trouvés dans ce qui semble bien être des sépultures. Et ces hommes modernes, anciens, du Proche-Orient, eh bien, ont des comportements qui sont quand même assez complexes, bien qu'ils aient un âge assez ancien. Alors, l'autre gisement qui apparaissait sur ma carte, c'est le gisement de Djebel Kafzé. Alors, Djebel Kafzé, c'est un gisement qui se trouve près de la ville de Nazareth et qui est au pied du mont du précipice. Ce site de Djebel Kafzé, il a été fouillé d'abord par un diplomate français qui s'appelait Neuville, et puis beaucoup plus proche de nous dans le temps, par Bernard van der Merch dans les années 60-70. Et les travaux de Bernard van der Merch ont permis la découverte de toute une série, à nouveau, très riche, de restes d'hommes modernes anciens. Alors, on montre toujours cette photo, ce crâne qui est le crâne de l'individu Kafzé 9,
le crâne de cette sépulture. Et c'est vrai que ce crâne est une apparence très, très moderne, si je peux dire. Il y a à Kavzé toute une, j'allais dire, un éventail de formes dont certaines, comme à Skoul, présentent des caractères nettement plus robustes et nettement plus primitifs. Alors, Kavzé, les dates, c'est surtout des dates par thermoluminescence. Bon, ça a l'air un petit peu plus récent que Skoul. Ce qui est intéressant, aussi bien à Skoul qu'à Kavzé, c'est que, comme je l'ai déjà indiqué, on a des comportements assez complexes, et en particulier des sépultures. À Kavzé, on a cette sépulture double qui est très, très spectaculaire. C'est une jeune femme qui est enterrée avec un enfant à ses pieds. On a aussi au moins une sépulture d'enfant dans laquelle on a ce qui semble être une offrande, un massacre de daims. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable et qui a soulevé bien des interrogations chez les archéologues depuis très très longtemps, c'est que aussi bien à Kavzé qu'à Skoul, eh bien, ces formes-là sont associées à des industries moustériennes, le fameux moustérien de type Tabounsé. Et ce moustérien, dans le fond, il ressemble beaucoup au moustérien qui est aussi associé à des néandertaliens ensuite. Et ça, bon, c'est quelque chose pour l'instant pour lequel on n'a pas vraiment de bonnes explications. Alors, l'autre chose qui est importante aussi à souligner, c'est qu'à côté de ces sépultures de Kavzé et de Skoul, eh bien, on a dans ces gisements des objets, en tout cas à Skoul, on a des nasarius qui ressemblent beaucoup aux nasarius dont on a abondamment parlé en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Il est même possible que ces nasarius de Skoul soient plus anciens que ceux qu'on a en Afrique. Bon, ça, on ne sait pas trop parce qu'on n'a peut-être pas les plus anciens en Afrique. Hein, mais enfin, disons, on a une zone géographique très vaste qui va du Cap au Maroc et du Maroc à Israël et dans lequel on a ces objets qui se promènent, si je peux dire. Et ça, quoi qu'on en dise, pour l'instant, c'est quelque chose qui est inconnu dans le monde des Néandertaliens, et il est probable que ça a des implications sur le plan de la complexité sociale, de la signalisation des individus, voire des échanges. Au chapitre des hommes modernes anciens du Proche-Orient, je veux aussi vous montrer cette mandibule qui vient, elle aussi, de Tabun et a été trouvée aussi par Miss Garod, qui est la mandibule de Tabun C2. Alors elle, on pense qu'elle vient bien du niveau C, elle n'est pas intrusive, et de fait, elle n'est pas du tout néandertalienne. Elle a une morphologie qui est primitive par de nombreux caractères, mais en même temps, des traits qui la rapprochent, encore une fois, de ces hommes modernes, anciens, en particulier... Alors ça, ce n'est pas la vraie mandibule, hein, c'est un modèle 3D que j'ai coupé, justement, pour vous montrer la forme de la symphyse mandibulaire. Cette symphyse mandibulaire, avec cette forme un petit peu en goutte, on dit en anglais, on dit en tear shape, en larme, hein, avec un aspect aminci vers le haut, c'est quelque chose qui est assez qu'on rencontre de façon assez habituelle chez l'homme moderne, avec aussi une incurvation. C'est une symphyse qui est verticale, qui est pas, il n'y a pas un menton développé comme chez un homme actuel, mais elle a beaucoup de caractère, en particulier aussi la décroissance en hauteur du corps mandibulaire vers l'arrière, la forme de la branche montante, tout ça rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez des hommes modernes, à Kavzé, à Skoul ou ailleurs. Donc voilà, on a un paquet de pièces. Alors, quand après les travaux de Miss Garod, il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'interprétation de ce matériel, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît assez normal de trouver des hommes modernes hors d'Afrique, associés à du poétique moyen, mais dans les années 30, c'était pas si évident que ça. Et donc, en particulier, l'anthropologue qui a étudié le matériel de Tabun et le matériel de Skoul, qui s'appelait Sir Arthur Keith, qui était
enfin, qui est une grande figure de l'anthropologie anglaise, eh bien, a longtemps oscillé entre différentes hypothèses sur l'interprétation de ces formes. Il a pensé qu'il avait deux groupes, ensuite il a pensé qu'il avait un seul groupe qui était très variable. Et dans le fond, ces incertitudes sont prolongées jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui encore qu'en fait, on n'a pas deux groupes humains au Proche-Orient pendant cette période de temps, mais on a un groupe avec deux pôles, un pôle plutôt néandertalien, un pôle plutôt moderne, et puis peut-être entre les deux quelque chose comme des hybrides ou quelque chose comme ça. Enfin, j'attire quand même votre attention sur le fait que quand on regarde les dates de tous ces fossiles, on n'a pas vraiment de preuve de la coexistence de ces deux groupes au même moment. Et en général, on arrive assez facilement à ranger les fossiles qu'on a sous la main, soit dans la boîte néandertalienne, soit dans la boîte homme moderne. Toujours est-il quand même que, et ça on le sait depuis peu, vous voyez, c'est une publication qui date de cette année, on sait que cette arrivée d'homme moderne, donc il y a peut-être 120, 130 000 ans dans le Levant, a résulté déjà en un épisode de flux génique, alors dans le sens homme moderne néandertalien. Et pour l'instant, c'est d'ailleurs le seul qu'on connaisse. Hein. Donc on a, chez des néandertaliens de l'Altaï, qui sont beaucoup plus tardifs, donc des néandertaliens asiatiques, on a trouvé un tout petit peu d'ADN qui semble venir d'hommes modernes. Alors c'est, vous voyez, c'est entre 0,1, c'est pas beaucoup, et 2,1% d'ADN qui viendrait. Et quand on a essayé de dater cette introgression, ben, ma foi, on tombe sur des dates qui collent à peu près avec cette arrivée des hommes modernes au Proche-Orient. Alors, si on se recule un petit peu, et tous les fossiles dont je vous ai parlé, ils sont ici, hein, ils sont dans le sud du Levant, en fait, dans une zone géographique très petite en Israël. Eh bien, on peut se poser la question de ce qui se passe plus au sud, dans la péninsule arabique. Les fossiles humains de Kavzé, ils sont associés à des faunes, qui sont des faunes, en particulier des microfaunes, qui sont des faunes qui ont été qualifiées d'arabo-africaines. Alors, on a oublié un peu le arabo, on a insisté surtout sur le africain, mais les gens qui ont étudié ces faunes ont insisté sur le fait que c'était des faunes qui avaient l'air de monter du sud. Et le sud du Levant, ben, c'est surtout ça, plus que l'Afrique, en fait. Et donc, la question qui est restée en suspens depuis très très longtemps, c'est dans le fond la question de savoir ce qui se passe dans cette période de temps, vers 100 000, 120 000, 130 000, dans la péninsule arabique. Alors, malheureusement, nous n'avons pas de fossiles humains dans cette région-là, pour l'instant, j'espère qu'on en aura, mais, et ça va être l'objet de la présentation de Tony Marx après la mienne, eh bien, on a des technologies de production de pointe à partir de nucléus qui ont une forme très particulière, qu'on appelle des nucléus de type nubien. Alors pourquoi nubien ? Parce que c'est là qu'on les a d'abord trouvés. Et on a donc une communauté en tout cas une communauté technologique entre les deux côtés de la mer Rouge dans cette période de temps. Alors tout ça n'est pas toujours extrêmement bien daté, mais on a quand même l'impression que, dans le fond, quand on remonte il y a 120 000 ans ou 110 000 ans, eh bien, la péninsule arabique, c'est plus un morceau de l'Afrique qu'un morceau de l'Eurasie. Et pense quand même qu'il y a une très forte probabilité que tout ça ait été fabriqué par des hommes modernes. Alors j'attire quand même votre attention sur le fait que, et ça c'est un problème qu'on n'a pas vraiment résolu, je ne sais pas, peut-être que Tony aura une réponse tout à l'heure, mais les hommes de Kavzé et de Skoul, on ne les trouve pas avec des nucléus nubiens dans leur poche. Hein. On les trouve avec un moustérien de débitage levallois qui ressemble aux moustériens fabriqués par les Néandertaliens qui vont venir après eux dans la région. Alors donc, il va falloir trouver une explication à tout ça. Donc,
une sortie d'Afrique, ou une présence, c'est peut-être pas une sortie, c'est peut-être juste que la péninsule arabique et une partie de l'Afrique, ancienne des hommes modernes. En tout cas, cette fenêtre de temps de l'Éhémien, aussi bien les paléoclimatologues que les archéologues, que les paléanthropologues s'entendent plus ou moins sur l'idée que c'est une période de première sortie d'Afrique. Alors on a longtemps pensé, enfin, quand j'étais jeune chercheur, étudiant, dans le fond l'idée générale c'était que c'était une sortie avortée, c'est-à-dire qu'il y avait eu, les hommes modernes avaient mis le nez à la porte de l'Afrique, dehors, pendant un temps assez court, et puis ensuite, pof, ils étaient rentrés dans leur boîte. Pourquoi ? Parce que les Néandertaliens étaient revenus à partir de 80 000. Et la vraie sortie d'Afrique, c'était, disons, 50 000, quelque chose comme ça. Alors, au cours, disons, des 10-20 dernières années, cette image-là a changé assez considérablement. Pourquoi ? Parce que dans la foulée de la reconnaissance de cette connexion entre la péninsule arabique et l'Afrique, eh bien, un certain nombre de chercheurs ont proposé qu'en fait, il y avait peut-être des hommes modernes beaucoup plus à l'aise déjà à cette époque-là. Alors, première région dans laquelle il y a eu des débats qui durent toujours, d'ailleurs, c'est l'Inde. Et il y a un chercheur qui s'appelle Michael Petraglia, qui était à Cambridge, qui a été à Oxford, qui maintenant est au Max Planck à Iéna, et qui travaillé en Inde. Et Michael Petraglia, il a défendu l'idée qu'en fait, il y avait des hommes modernes en Inde, déjà avant 70 000. Alors, pourquoi avant 70 000 ? Bien parce qu'on a, un peu avant 70 000, avant le présent, une méga-éruption qui a donné lieu à des dépôts volcaniques absolument colossaux dans toute la région du sud-est asiatique jusqu'en Inde. C'est l'éruption d'un volcan qui s'appelle le mont Toba et qui a créé probablement une catastrophe majeure à cette époque-là. Et donc on a en particulier en Inde des dépôts de cendres très importants qui datent de cette époque-là. Et donc Petraglia, en gros son idée c'est qu'on a sous les cendres qui résulte de cette méga-éruption du mont Toba, le mont Toba est à Sumatra, eh bien, on a des industries qui ressemblent, encore une fois, aux industries qu'on a en Afrique. Donc, c'est ça l'argument. Alors, il a été critiqué par ses collègues de Cambridge, en particulier Paul Mellars, et Mellars, lui, a apporté des arguments qui vont un petit peu contre les arguments de Petraglia. Alors, je dois vous dire que, en fait, les arguments aussi bien de Petraglia que de Mellars ne sont pas, je dirais, entièrement convaincants, ni d'un côté, ni de l'autre. Hein ? Alors, pour ce qui est de Petraglia, il a étudié en particulier une série de sites qui se trouvent autour d'un village qui s'appelle Jwalampuram, dans le centre-sud de l'Inde. Et il y a là toute une série de sites archéologiques avec ces téfras, c'est-à-dire ces dépôts volcaniques de l'éruption du mont Toba, qui représentent donc un repère chronologique très très fort. Et donc l'idée de Petraglia, c'est que les industries qu'on a en dessous de ces dépôts volcaniques, eh bien, d'après lui, sont des industries qui ont plus de rapport avec ce qu'on a en Afrique que ce qu'on a ailleurs. Alors, bon, c'est une affaire, je dirais, d'appréciation. On a du débitage levallois, on a des pointes, on a des choses comme ça. Tout le monde n'est pas absolument convaincu que c'est une industrie qui a un caractère africain. Le problème des industries lithiques, en particulier quand elles sont relativement simples, c'est que il y a une possibilité de convergence qui est assez forte, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir entre eux font à peu près les mêmes choses parce qu'ils ont besoin du même genre d'outils, et donc c'est assez difficile d'accrocher un type d'hominine avec une industrie, sauf si cette industrie est vraiment très particulière et qu'on a pu prouver qu'il y avait une association systématique entre ces hominines et cette industrie. Là, ce n'est pas le cas en Inde, où, pour l'instant, on n'a pas de restes humains qui sont associés à ces industries-là.
Alors, du côté de Mellars et de ses collaborateurs, les arguments contre ne sont pas non plus des arguments extrêmement convaincants. D'abord, il y a des arguments d'ordre génétique. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'ADN mitochondrial et de cet haplogroupe L3 qui était à l'origine de nombreux haplogroupes en Eurasie. Et donc, l'idée, c'est que quand on regarde les temps de coalescence pour l'haplogroupe L3 en Afrique, et puis surtout les temps de coalescence, c'est-à-dire la source, en quelque sorte, le démarrage des haplogroupes auxquels L3 a donné naissance en dehors d'Afrique, eh ben on a des temps de coalescence qui sont plus récents que l'éruption du mont Toba. Bon. Évidemment, ça nous dit quoi ? Ben, ça nous dit que les gens qui sont aujourd'hui porteurs de ces haplogroupes, ont un ancêtre commun qui ne remonte pas au-delà, disons, de 60 ou 65 000 ans. Mais évidemment, on n'a pas les haplogroupes des gens qui ont fabriqué les industries que Petraglia a étudiées. Et donc, ça, c'est tout le problème d'utiliser des données génétiques actuelles pour discuter du passé. C'est-à-dire que, en fait, et c'est un problème qu'on va retrouver constamment, on peut avoir eu des vagues de peuplement modernes, anciens, qui n'ont laissé aucune trace dans les populations actuelles et dont les gènes se sont perdus totalement, y compris l'ADN mitochondrial. Donc, Mellars, lui, il est plutôt en faveur d'une arrivée des hommes modernes avec ces industries microlithiques qu'on trouve beaucoup plus tard en Inde, 50 000, 40 000. Mais là encore, ces industries microlithiques, enfin disons avec des formes géométriques, qui, j'allais dire, en surface ressemblent à des choses qu'on connaît en Afrique ou qu'on connaît d'ailleurs en Europe aussi plus tard, eh bien, ma foi, tous les préhistoriens vous diront qu'il y a des tas de groupes humains qui ont fabriqué des objets comme ça. Et que là encore, ça ne paraît pas être un marqueur qui peut être utilisé pour identifier des entités biologiques, modernes ou pas. Alors, allons encore plus vers l'Est, avec la Chine. Alors, là encore, on a des gens, enfin, des collègues, surtout chinois d'ailleurs, qui se battent pour prouver l'existence d'hommes modernes très anciens en Chine. Alors, je vous ai pris cette figure d'une publication récente, juste pour vous montrer que on a pour certains sites, des datations parfois incroyablement anciennes. Ce site de Liu Jiang, il y a un collègue qui s'appelle Bae qui a proposé que l'âge de l'homme de Liu Jiang pouvait être quelque chose comme 139 000 ans, ce qui en ferait un homme moderne très très ancien, surtout si on considère qu'il est très moderne dans son anatomie. Mais le problème de tous ces sites, c'est que même si on met de côté les datations elles-mêmes, qui sont souvent discutables, souvent ce qui est en cause, c'est l'association de ces restes avec les niveaux qui sont datés. Et par exemple, dans le cas de Liu Jiang, Liu Jiang, c'est un crâne qui a été trouvé en 1958 par des paysans qui sont allés dans une grotte parce qu'ils cherchaient des dépôts pour amender leur champ, et ils ont fait un trou dans la grotte, ils ont trouvé un crâne. On ne saura jamais si ce crâne, c'était un crâne qui était dans un dépôt stratifié dans la grotte ou si c'était une sépulture plus récente à l'intérieur de ces dépôts. Ce n'est pas une pièce qui a été trouvée au cours d'une fouille archéologique organisée. Et donc, vous voyez que s'il y a des gens qui pensent que Liu Jiang peut avoir 139 000 ans, il y a des gens qui pensent qu'il a peut-être un peu plus de 15 000 ans. Donc, ça fait quand même une marge assez considérable de datation. Et ça, c'est un problème qu'on a de façon récurrente avec pas mal de sites chinois, parce que souvent, l'origine précise des pièces est mal connue. Alors, je vous montre quand même du matériel qui a été plus récemment découvert et plus récemment publié. Il y a ce
cette mandibule qui vient d'un gisement qui s'appelle Zirendong, dans le sud de la Chine, qui aurait, si on considère qu'elle est en place dans les dépôts, un âge supérieur à 100 000 ans, et qui est dite moderne. Alors, c'est vrai qu'elle est, en particulier dans la région mentonnière, un petit trigone mentonnier qui a un petit goût moderne, mais en même temps, elle a quand même de nombreux caractères archaïques, et en particulier quand on regarde la section dans la région de la symphyse, eh bien, c'est une section quand même qui est très, très épaisse, et c'est un corps mandibulaire qui est très épais. Et dans le fond, le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien la variation de ces formes archaïques chinoises, et toute la question, c'est de savoir déjà si cette mandibule a vraiment 100 000 ans, et ensuite, ce qu'elle représente exactement. Puis alors, plus récemment, ça date de l'année dernière, il y a eu une publication sur un site qui s'appelle Daoxian, dans le sud de la Chine. C'est une grotte de plusieurs centaines de mètres dans laquelle plusieurs niveaux ont été fouillés. Et donc, on a là encore des dents isolées qui sont trouvées sous un dépôt qui est un plancher stalagmitique qui a été daté. Et si on en croit cette date, eh bien, tout ce qui est en dessous ce niveau devrait avoir au moins 80 000 ans, peut-être plus que ça, 100 000 ans. Là encore, il y a des questions qui se posent sur l'intégrité du site. Est-ce que ces dents, elles sont vraiment en place sous ce spéléothème ? Un des problèmes de la paléanthropologie, c'est la réplicabilité des résultats. C'est-à-dire que dans la plupart des sciences, on peut refaire une expérience, on peut refaire une observation astronomique et voir si elle vérifie les publications des collègues. C'est un petit peu difficile de faire la même chose en archéologie le plus souvent. Donc voilà ces dents de Daoxian. Alors elles ont pas mal, excité à la fois la presse, mais aussi les spécialistes, parce qu'elles sont très modernes. Elles sont presque trop modernes pour cet âge au-delà de 80 000 ans. C'est des dents qui ne sont pas très grandes, qui ont des racines réduites, qui ont parfois des caries dentaires assez spectaculaires. Alors, ce n'est pas totalement exclu que des gens qui vivaient il y a 100 000 ans aient des caries dentaires, mais pour vous donner une idée, les hommes de Skoul et de Kavzé, on a des quand même une grande quantité de dents qui ont été trouvées dans ces sites-là. Eh bien, je crois qu'on a trouvé deux caries dentaires qui sont minuscules dans toutes ces dents. Alors, à Daoxian, il y a, comme vous le voyez, des caries qui sont beaucoup plus spectaculaires. Alors, quelque chose qui est probablement beaucoup plus sérieux, mais qui, évidemment, n'est pas aussi ancien, eh bien, c'est une découverte qui a été faite dans le nord du Laos, dans une grotte qui s'appelle Tampaling, et qui est étudiée par une équipe franco-américaine. Et je vois Fabrice Demeter dans la salle, qui est là. Anne-Marie Bacon n'est pas là, non ? Donc, des collègues français qui travaillent au Laos et qui fouillent depuis plusieurs années ce site, alors qui est un site qui est fouillé de façon extrêmement méthodique. Et on a un niveau dans lequel on a trouvé plusieurs pièces humaines, en particulier d'abord ce crâne. Alors la morphologie, en particulier du frontal, elle est complètement moderne, hein, avec des reliefs susorbitaires qui ne laissent pas de doute sur l'identification taxonomique de cet homme. Trouvé donc dans un niveau qui a été daté par luminescence optiquement stimulée à 47 000. Alors, il y a une datation directe qui a été faite, certains de ces restes, par uranium-thorium, qui est un peu plus ancienne, au-delà de 60 000, mais l'uranium-thorium sur les os, ça, c'est toujours un petit peu délicat. En tout cas, on a aussi une datation radiocarbone dans le même niveau qui est un petit peu au-delà de 50 000. Donc voilà, là on a un indice quand même
de restes humains qui sont découverts dans un site stratifié, pas par des paysans à la recherche de terres pour amender leurs champs, mais par des archéologues qui savent ce qu'ils font, et donc une présence d'hommes modernes dans cette région extrêmement orientale de l'Asie, probablement dans une fenêtre de temps, disons, entre 50 000 et 60 000, ce qui n'est pas, j'allais dire, complètement surprenant, puisque vous allez le voir dans la suite des cours, les hommes sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans, donc il faut bien qu'ils soient quelque part en Asie avant cela. Voilà une autre pièce qui vient de Tampaline, c'est une mandibule, c'est Tampaline 2, alors qui est très moderne dans sa morphologie, en particulier dans la région mentonnière. Là, on a un vrai menton, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais qui a quand même une mosaïque de caractère primitif avec un corps mandibulaire qui est très épais, ce qui évoque plutôt des formes d'hommes modernes plutôt anciens. Alors, pour finir, je voudrais rapidement discuter de trois publications qui sont apparues il y a juste quelques semaines, qui sont des publications de génétique des populations actuelles et qui, dans le fond, essaient d'apporter leur contribution à cette histoire du peuplement de l'Eurasie et de la planète par les hommes modernes. Alors, il y a trois publications qui sont sorties dans le même numéro de Nature, et ces trois publications, leur intérêt, c'est que, d'abord, elles mettent en œuvre des techniques de séquençage extrêmement précises pour avoir un grand nombre d'individus sur un grand nombre de populations avec un séquençage qui couvre une partie importante du génome. Et notamment, ces publications, enfin certaines, s'intéressent à des régions du monde pour lesquelles jusqu'à présent on avait très peu de données, en particulier l'Australie ou même certaines parties de l'Afrique. Alors, ce qui est intéressant quand on lit ces publications récentes, c'est qu'on voit d'abord que, en gros, toutes ces publications sont d'accord sur au moins un point, c'est l'origine africaine de l'homme moderne. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Donc tous les hommes qui sont hors d'Afrique sont des hommes qui représentent, dans le fond, une part de la variabilité africaine. Alors ensuite, on trouve des petites différences entre ces publications, et c'est intéressant de voir lesquelles. Et c'est intéressant aussi de discuter pourquoi il y a ces différences. Alors d'abord, il y a des différences sur le fait de savoir si il y a une vague de peuplement moderne qui a colonisé toute l'Eurasie en sortant d'Afrique ou s'il y a plusieurs vagues. Alors, la publication de Malik et... Alors ça, c'est l'équipe de David Reich à Harvard. Eux concluent de leur étude que dans les populations actuelles, en tout cas, ils ne trouvent pas de traces de populations qui représenteraient une dispersion ancienne de l'homme moderne. Donc l'idée dans ces publications, c'est que tout ce qu'on trouve à peu près aujourd'hui sur la planète résulte d'une sortie assez récente d'Afrique, disons moins de 80 000 ans. Alors il y a aussi dans la publication de Malik des aspects qui sont tout à fait intéressants. D'abord, ils mettent en évidence l'existence d'une structure ancienne des populations africaines, une structure qui pourrait remonter à 200 000 ans. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de ça. C'est très important, cette histoire de structuration des populations africaines, parce que si on a des populations structurées, et non pas juste une source pour le peuplement hors d'Afrique, eh bien, ça a créé un certain nombre de complications pour la datation de la coalescence et surtout pour la modélisation de la paléodémographie. Hein. Souvenez que, dans le fond, le calcul de la taille de la population effective, eh bien, c'est un calcul qui est influencé par le fait qu'on a affaire à des populations structurées ou pas. Et ensuite, ce qui montre... Alors, l'autre aspect qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils ont donc une date de divergence au-delà de 100 000 ans entre des populations africaines actuelles, comme les Khoisan et certaines tribus, enfin certains groupes de pygmées comme les Mbuti. Alors 100 000 ans, on est assez loin dans le temps en termes de, comment dire,
d'apparition des comportements dits modernes. Hein. Et donc là encore, ça suppose que ces comportements modernes, probablement, ils ont été échangés d'un groupe à l'autre. Ensuite, et là c'est aussi une différence par rapport à certaines autres de ses publications, Malik et collaborateurs reconnaissent, après la sortie d'Afrique, d'abord une grande division entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire les groupes qui vont donner, en gros, les Européens et les gens qui vivent dans l'Ouest de l'Eurasie, et puis toute l'Asie. Et c'est seulement dans une troisième étape que vient se brancher le peuplement de l'Australie. Donc, en gros, le peuplement de l'Australie, pour ces gens-là, c'est un bout de la branche asiatique qui est allé, après la séparation Est-Ouest, qui est allé peupler l'Australie. Alors, le papier de Malaspinas aboutit à une conclusion complètement différente en ce qui concerne le peuplement de l'Australie, puisque là, on a une première division entre ce qui va donner les Australiens et ce qui va donner tous les autres. Hein. Ça, c'est un schéma qui est plutôt en faveur de l'existence de cette colonisation de l'Australie par une voie côtière sud-asiatique. Et puis, dernier point qui est intéressant dans ces papiers, c'est que l'un de ces papiers, celui de Pagani, quand il regarde les temps de coalescence pour différents groupes humains, dans le fond, ont un problème en expliquant pourquoi la coalescence entre des Papous actuels et certains groupes africains est plus ancienne que les temps de coalescence de tous les autres groupes eurasiatiques. Et leur explication à eux, c'est que, contrairement à Malik et collaborateurs, ils pensent que l'explication de cette incohérence au point de vue temps de coalescence, c'est une contradiction qui peut se résoudre si on imagine qu'il y a, chez les Australiens actuels, les aborigènes australiens actuels, s'il y a, en fait, la trace d'un peuplement moderne, d'une première vague de peuplement moderne plus ancienne qui aurait participé, alors je crois que dans leur article ils donnent le chiffre de 2% à l'origine des aborigènes australiens actuels. Alors c'est un petit peu compliqué parce que ces Papous et ces aborigènes australiens, on sait qu'ils ont aussi de l'ADN qui est hérité d'un groupe beaucoup plus ancien, un groupe archaïque, soit les Denisoviens, soit quelque chose d'autre. Et les auteurs, d'ailleurs, reconnaissent volontiers que les deux explications sont possibles, c'est-à-dire soit l'existence d'une vague de peuplement moderne ancienne, soit un mélange avec un groupe, entre guillemets, archaïque, Denisovien ou autre. Alors, pour conclure, je voudrais souligner quelques points de conclusion qu'on peut tirer cette visite assez rapide. Donc, très certainement, le climat a joué un rôle dans la dispersion des hommes modernes. Pourquoi ? Parce que des chasseurs-cueilleurs ont besoin d'un environnement qui leur est favorable pour pouvoir exploiter cet environnement et connaître un développement démographique suffisant pour se développer. Maintenant, la question, c'est de savoir si ce déterminisme climatique il est suffisant pour expliquer l'expansion des hommes modernes. Alors, du point de vue du timing, on a certainement déjà des hommes modernes hors d'Afrique, disons, aux alentours de 120-130 000 ans. On les a au Proche-Orient, on les a au sud du Levant, on les a très certainement aussi dans la péninsule arabique. Alors, la question de savoir si le déterminisme climatique est suffisant, je pense que c'est un petit peu simpliste de considérer que c'est juste le climat qui conduit tout ça. D'ailleurs, dans le papier de modélisation climatique que j'ai cité tout à l'heure, une des conclusions de cet article, c'est que les hommes modernes auraient dû arriver en Europe il y a 80 000 ans. Et ils n'y sont pas arrivés. Et ils n'y sont pas arrivés pourquoi ? Parce que on est obligé d'intégrer dans tous ces modèles-là l'existence d'autres groupes humains en Eurasie. Il y a des Néandertaliens en Europe, ou au Proche-Orient, il y a des Denisoviens en Asie. Et donc,
La dispersion des hommes modernes, ce n'est pas la dispersion sur une planète déserte où ils peuvent aller là où ils veulent en fonction du climat. Et d'ailleurs, la paléogénétique nous dit qu'il y a eu des interactions entre ces différents groupes. Alors, sur la présence d'hommes modernes anciens en Extrême-Orient, j'aurais tendance à être relativement conservateur. Disons que dans la fenêtre 50 000, 60 000, c'est certainement le cas. Je suis assez convaincu par Tom Palling. Maintenant, 80 000, 100 000, 150 000, on a régulièrement des publications qui viennent avec ce genre de conclusions. Très généralement, dans les mois et les années qui viennent, ces publications sont fortement critiquées. Alors la dernière chose que je voudrais surtout souligner, c'est que la génétique des populations actuelles nous apporte énormément d'informations, mais malheureusement, elle ne peut pas nous apporter d'informations sur les populations qui n'ont pas laissé de traces génétiques dans les populations actuelles. Et on en reparlera quand on parlera du peuplement de l'ouest de l'Eurasie. On sait par la paléogénétique, parce qu'on a des fossiles qui nous livrent des données génétiques, qu'il y a eu des vagues anciennes de peuplement moderne qui ne correspondent à aucune population actuelle, en tout cas qu'on ne peut rattacher à l'origine d'aucune population actuelle. Et donc ça, c'est un petit peu une limitation, en particulier si on veut discuter du nombre de vagues de peuplement et de leur âge. Voilà, je vous remercie pour votre attention.